Les gars, les manifestants, c'est des gens qui vont pas au travail pour empêcher les autres d'aller travailler parce qu'ils veulent pas travailler plus longtemps. Et ils se font appeler les travailleurs. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, putain. Les manifs, c'est des casseurs et des glandus qui trinquent la CGT. Vous vexez pas, hein, les CGTistes. Après, je reçois des commentaires et souvent en majuscule, le commentaire de CGTistes sous mes publis. Hein, ils ont pas compris qu'un message, c'est pas forcément une pancarte. Après, la pancarte, c'est leur seul moyen d'expression. Hein, parce que passer 16 heures, c'est leur seul moyen de se faire comprendre, comme ils peuvent plus articuler. On les reconnaît facilement, les commentaires de CGTistes, parce que il manque la moitié des lettres, parce que la plupart n'ont qu'un pouce, donc... Là, ils ont toujours pas compris que c'est pas ces grenades-là qu'il faut cueillir, les gars. Celles-là, faut pas les ramasser, hein, mais l'info ne circule pas chez eux, parce que ceux qui en ont ramassé une, ils peuvent plus faire de pancartes pour prévenir les autres. C'est marrant, parce qu'à chaque fois, les manifestants, ils se font dégommer par les flics, et à chaque fois, ils s'étonnent de se faire dégommer par les flics. À croire que la matraque, ça les reset, les gars. Boum ! Réglage d'usine. Pourtant, on le sait que les flics sont là pour en découdre. Hein, pas tous, parce qu'il y a quand même différents types de flics. Tu vois, mais disons que le CRS, c'est pas Sherlock Holmes. Hein ? Il n'arrive pas avec sa loupe. Élémentaire, mon cher Watson. C'est plutôt juif. Sa mère, ce chien de gaucho! Il y a juste un seul flic, les gars. Il y a un seul flic qui déteste se retrouver dans les manifs. C'est l'agent de circulation devant les écoles. Vous voyez, le gars avec son panneau stop. Déjà, c'est quel niveau de flic, ça? Lui, l'organigramme, il l'a creusé. Son blaze, il est sur un post-it. Tiens, descends-le, on vient d'acheter un chien. Le gars, lui, son N plus 1, c'est un feu rouge. Il est là, il le regarde, il attend ses ordres. Et dès que c'est rouge, il tend son panneau comme si c'était la flamme olympique. Lui, il a le seum, il a très très le seum quand il se retrouve dans une manif, parce qu'il doit rester à son poste. Les manifestants le détestent parce qu'ils pensent que c'est un flic, et les flics finissent toujours par le niquer à cause de son gilet jaune. Merci beaucoup de m'avoir écouté.